Vendredi 17 juillet 2020, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union, qui titre fièrement « Osuka Raponda, une femme à la primature ». À 57 ans, elle est la première femme à accéder à la primature après l'avoir été à la mairie de Libreville. Au Togo, liberté de décrier le vice du mandat présidentiel de trop, Alassane Ouattara et Alpha Condé sur les pas de Faure Gnassingbé. Sur un tout autre registre, Togo Matin s'intéresse à la réouverture des frontières togolaises. Il faut qu'on se prépare correctement, déclare le professeur Djibril Mohamed. Et pendant que Togo Matin parle de réouverture des frontières, Wolf Quotidien annonce que l'Europe ferme ses portes au Sénégal. Exclu de la liste mise à jour, Dakar opte pour la loi du talion. Ouverture de l'espace Schengen, renchérit le quotidien à UE et à Dia. Malgré les assurances de Migason, le Sénégal interdit d'accès. Dakar applique la réciprocité. L'Observateur écrit ce jour, déclaration de patrimoine, Macky Sall face à ses actes. Et le même président sénégalais de revenir, en manchette du Sud Quotidien, sur la même actualité, déclaration de patrimoine, le jeu trouble de Macky. Au Mali, avec l'indépendant, médiation sous-régionale pour une sortie de crise sociopolitique et institutionnelle, des accords persistants entre la mission de la CEDEAO et le M5-RFP, une ultime rencontre à Troyes, prévue ce vendredi. Une actualité qui intéresse également Nouvel Horizon. Rencontre entre le M5-RFP et le médiateur de la CEDEAO hier, le film d'une journée remplie pour l'ancien président nigérien. Au Cameroun, le messager dit que dans l'Ouest, le MRC se déchire. Mutation, toujours au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, de revenir sur le pari social du bataillon d'intervention rapide dans les régions en crise. Réouverture des frontières nationales avec Cameroun Tribune, le gouvernement examine les préalables. Et repères qui changent d'actualité. Scandale à la Fédération Camerounaise de Karaté, combat sexuel sur le tatami. Et maintenant au Burkina Faso, Sidoya s'intéresse à la relance de l'économie nationale. 100 milliards de francs CFA pour accompagner les entreprises. Front social avec le quotidien L'Information pour tous, l'UPC, à propos de la présidentielle de novembre 2020, dit que l'occasion est donnée au peuple de corriger l'erreur monumentale de 2015. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin de revenir sur les obsèques du Premier ministre Amadougan Koulibaly. La douloureuse séparation aujourd'hui. Le chef du gouvernement inhumé cet après-midi dans l'intimité familiale à Korogo. Et le jour plus qui reste aussi à Korogo. Hommage au Premier ministre, la reine des Baoulés pleure son fils Amadougan. Et maintenant politique, en manchette du Nouveau Réveil, réforme de la commission électorale indépendante, le président Bédier lance un appel solennel, soutenu par tous ses tarés de la Cour africaine. Et politique également avec le sursaut, élection 2020, le RHDP dans la tourmente. Décrypte le sursaut. Et maintenant au Bénin avec le matinal, invalidation d'un siège au conseil municipal de Parakou, la guerre fratricide entre membres des forces Kori pour un Bénin émergent qui fait perdre son poste au maire Aboubakar Yahya. Pour le matin, il est question de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une réforme majeure pour la modernisation du Parlement béninois, estime le journal. Et enfin avec la nation, lutte contre la pauvreté, le journal annonce que le Bénin est deuxième dans l'espace UEMOA. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.